de fer dans les pommes de terre. Je comptais sur les primavères, mais voilà, on ne choisit pas. J'ai on choisit les légumes. Et les légumes, il y en a partout. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez un certain nombre de pays qui sont représentés. Oui, tout à fait. Alors, vous avez un certain nombre de pays qui sont représentés. On commence par la Suisse. Et avec cette tendance que vous avez pu voir, si vous regardez un petit peu nos spots de pub ici, on veut, le supermarché veut vous montrer qu'il y a des légumes très frais chez lui. Très frais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les producteurs. Et il vous montre même les producteurs qui rentrent directement dans la boutique avec presque. Avec la rosée. Avec la rosée sur la carotte. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, ils viennent présenter. Alors, évidemment, les producteurs sont toujours. Castés, oui. On les montre, ils sont magnifiques et tout. Bon, vous allez voir, en Suisse, on a fait la même chose pour un supermarché, hein, mais avec des vrais producteurs, quoi. Ah. Ouais. In der Sonne nicht am Samstag, wieder ein ist großer Ball. Und das wissen alle Mädchen, ja das wissen sie überall. Und es spielt der Ländler Musik, dass er keine Sitze bringt. Dibi dabi, dibi dabi, halt mal rein. Und ohne Röhre, Röhre, Röhre. Dibi dabi, dibi dabi, hab sie fest. Bon, là, vous avez compris, ce sont les vrais. Non, pas terrible, alors, le nez en pâte, lapin. Très carottes. Bonne idée. Très alors, bon, là, vous avez compris, pour vendre des légumes. Oui, c'est pour vendre des légumes. D'accord. Oui. Maintenant, le légume peut servir aussi pour autre chose. Pourquoi? Vous savez qu'il est difficile de faire manger un légume tout seul, mais si vous l'associez, par exemple, la carotte et le petit pois, ça, c'est un couple qui marche bien. Ouais. Ce carotte-petit pois, avec une sauce, un bon jus de viande, ça, c'est appétissant. Alors que si vous vendez la carotte tout seul ou le petit pois tout seul, vous n'avez aucune chance. Ouais. Donc, une carotte séparée d'un petit pois, c'est un malheur. À partir de cette idée-là, vous pouvez faire de grandes choses. Have you ever noticed that some things just go better together? You cannot have one without the other. The other. Knife and fork, shoe and sock, salt and pepper and a flip and a flop. All these things get better together. You can keep them apart, but some things just go better together. Nut and a bolt, rabbit and a hat, fish and chip and a robin and a bat. All these things get better together. Pot and a plant, strawberries and cream, milk and cookies in a kettle and steam. All these things get better together. Site de rencontre, D'accord. pour qu'enfin vous puissiez trouver l'âme sœur. Mmh. Et l'âme sœur de la carotte, c'est les petits pois. Bon, attention, retour dans la cuisine. La cuisine, c'est le lieu où on va préparer les légumes. Mmh. Et il est très important de concevoir que si on a du mal à manger des légumes, c'est peut-être parce qu'on ne les prépare pas frais, parce qu'on n'a pas du plaisir à aller dans la cuisine. Donc il faut retrouver du plaisir pour aller dans la cuisine. C'est pour vendre des légumes, là? Là, c'est pour vendre des légumes, c'est pour vendre des cuisines, c'est pour vendre... C'est surtout... Ah, ouais, des cuisines. Vous allez voir, c'est pour vendre beaucoup de choses. Attention, les enfants, vous regardez, parce que ce n'est pas ce qui se passe tous les jours dans nos cuisines, forcément. Hein. C'est les enfants, oui, c'est les enfants. Elle les a eu jeunes, non? Oui, elle les a eu jeunes. L'autre, il a 42 ans. Oui, elle les a eu jeunes. Hein, non? Maman, Et voilà, et bien, maman, elle mange des légumes. Donc, on rappelle, 5 fruits et légumes par jour. C'est très important. Hein. Ça fait toujours dire ce petit message. Là, c'était pour vendre de la sauce. Vous avez compris, c'est la sauce. La sauce, pour manger des légumes. Pour manger des légumes. Bon, merci beaucoup.